On est de retour avec Joanne Beaulieu et Pierre Giroy, propriétaires de Canine Dapper. Bien, bienvenue à l'émission. Merci. Merci. J'adore, votre petit chien, il porte une couche, là. Il ne ferait pas pipi? Non. Non, il va être correct. C'est la première fois que je vois ça. Dites-moi, d'où vous êtes venu de l'idée? Comment ça a parti, cette entreprise-là? Expliquez-moi ça. On avait des chiens. Okay. Et on avait une chienne femelle, puis on est en chaleur. OK. On voulait pas que notre mâle la coupe, donc on est allé acheter une couche. Ah, oh, ça l'empêche même de oui, s'accoupler. Ça sert principalement à ça. OK. OK. Et là, on est allé acheter une couche et ça a vraiment pas fonctionné. Mais vous avez acheté une couche de bébé comme... Non, une couche pour chien en plastique. Puis le chien l'a mangé. Il a mangé la couche. Il a mangé... OK. Et puis là, on a décidé de faire une couche. D'en fabriquer une. Exactement, puis c'est parti de là. Mais qu'est-ce qui est spécial vos couches par rapport aux autres couches qu'il y avait déjà sur le marché? Nos couches sont lavables. OK. Donc, on peut les réutiliser. Puis, ils sont vraiment optimisés pour le chien. Ce n'est pas des couches là, qu'on va acheter de façon industrielle. On a vraiment optimisé nos couches pour les chiens. Justement, vous dites que vos couches sont lavables. On a tourné une courte vidéo dans votre entreprise. On va le voir ça, là, justement, sur la fabrication des couches. On va le voir ça tout de suite. À Montréal en 2009, la compagnie Conuff Diaper conçoit, fabrique et distribue une gamme complète de couches pour chiens, et ce, de grande qualité. Les couches de Conuff Diaper pour chiens sont offertes dans toutes les grandeurs et offrent une multitude de motifs et de couleurs. Passionnés et propriétaires de plusieurs chiens, les fondateurs de l'entreprise ont développé un procédé unique de fabrication qui donne un produit non seulement efficace, mais esthétique. Conçu pour résister à l'usure et au lavage répété tout en assurant un confort et un ajustement maximal à votre animal. Disponible dans la plupart des animaleries au Québec ou en ligne, le produit s'est avéré une solution des plus appréciées pour adresser les problèmes d'incontinence. Venez visiter notre site web canuffdiaper.com. Ben c'est vraiment, ça a l'air vraiment intéressant. C'est comme tout un mode spécial de la couche et tout. Puis là, je vois que vous n'avez comme différentes grandeurs. Vous n'avez quoi pour les bulldogs, pour les chihuahuas, pour tout le monde? Oui, les grandeurs de couche commencent pour des chiens de 2 à 4 livres, puis on peut aller jusqu'à 160 livres. Donc c'est vraiment, on peut avoir toute la gamme des chiens. On a 9 grandeurs. OK. Puis les avantages, là, c'est que bon, ils font plus pipi à terre. Ça s'empêche de s'accoupler aussi. Oui. Aussi, on en vend dans les hôpitaux vétérinaires. OK. Donc, pour des couches spéciales, les chiens qui ont été opérés. OK. Qui empêchent de se gratter. Aussi, les chiens qui urinent par excitation. OK. Donc, ou des incontinences aussi. Exactement. Ouais. Les incontinences, souvent, quand ils sont rendus à un certain âge, là, comme mon réalisateur ici. Le gros avantage, c'est qu'ils sont lavables. Donc, OK. Ça veut dire que tu ajoutes une couche. Quoi, c'est une couche par chien ou deux couches, tout dépendant? Tu peux mettre une couche par chien, puis tu vas la garder pendant peut-être un an ou deux. Là. Mais c'est ça, mais ce genre de couche-là, quand le chien va à l'extérieur, on n'y en met pas. Là. Non. On laisse faire ses besoins quand même. Exactement. C'est ça, parce que sinon, il va se retrouver. Oui. Puis c'est quoi la mission de l'entreprise exactement? Nous autres, on fabrique des couches. C'est notre plan de retraite, ça. Ah, OK. Donc, on fait. C'est ça pour le fun, là? Bien, écoute, on a quand même investi le Québec, là. On est dans à peu près une trentaine de magasins. Puis vous êtes international, puisque tantôt, vous me disiez que vous vendez même au Japon aussi. On vend en Europe, on vend aux États-Unis, puis on a vendu jusqu'au Japon. C'est assez surprenant. On a vendu deux fois au Japon. Donc, des grosses. Aujourd'hui, avec Internet, tout se peut, là. C'est exactement. Ça. On a notre site Web pour vendre nos couches sur le Web. Donc, c'est ça. Si vous avez, mettons, un conseil à donner à des jeunes entrepreneurs qui se sentent en affaires, ça serait lesquels exactement? À mon dos. Parce que vous êtes en affaires depuis longtemps. Hein? Exact. Moi, ça fait 30 ans. Wow. Donc, qu'est-ce que vous faisiez avant pour le fun? Toujours en informatique. OK. Donc, tout le site web, c'est moi qui l'ai fait. OK. Si j'avais un conseil à donner à ceux qui se partent en affaires, c'est vraiment au niveau des ventes, c'est vraiment ce qui est le plus important. OK. Donc, vous avez du monde sur la route, là. Exact, oui. Des bons vendeurs. Oui, exactement. Okay. Puis ils font les entreprises, ils font les magasins. Les vétérinaires. Ah, les magasins. OK, il y en a qui expliquent votre concept. Là. Exactement. On a une trentaine de magasins au Québec. OK. Là, on a fait le Québec. L'année prochaine, on va faire probablement l'Ontario. Ah, OK. Vous êtes à travers le Canada. Vous savez que l'émission passe à travers le Canada. Ah, c'est bien, ça. Jusqu'à Vancouver, on est là aussi. Il y a tout le marché américain aussi qui est disponible pour nous autres. OK. Donc, mais vous êtes quasiment les seuls sur le marché à faire ça. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup y a de compétition. Pratiquement personne, non, effectivement. C'est quand même. Ça, c'est un bon plus, là, justement. Oui. D'avoir ça, puis vous avez de toutes les grandeurs, tous les modèles, exact. Tous les styles aussi. Là, mais il faut avoir vécu dedans pour être capable de faire une couche là, qui se tient. Là. Donc, comme on a fait l'élevage de chiens.
Ah, OK, vous faites l'élevage de chiens aussi. Oh, on le faisait, là, mais je veux dire... Pensez-vous ouvrir des franchises? Vous savez pas? On n'est pas rendu là. On n'est pas encore rendu là. Alors, surtout quand on parle de retraite, vous faites ça, c'est un orbé aussi. Exactement. En même temps, ben écoute, c'est vraiment pratique. Moi, j'avais un chihuahua avant, puis il n'arrêtait pas de pisser dessus. Je ne sais pas s'il était excité ou il avait peur, mais il faisait souvent un peu pis dessus. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez un site Internet, un Facebook? Oui, on a un site web, www.caninediaper.com. OK. Okay. Conefdiaper.com. On peut acheter des couches en ligne ou dans plusieurs magasins au Québec, on peut acheter nos couches. OK. Donc, OK. Donc, vous desservez pas mal toutes les vétérinaires. Oui, exactement. Qui sont à Montréal aussi. Les boutiques aussi qui vendent ça. Exactement. Ouais. Merci beaucoup. C'est tout pour l'émission. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. C'est moi qui si vous cherchez merci des couches vous. Pour votre chien, Canine Diaper. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec quatre autres invités. À bientôt.